examen de maths. J'ai rien étudié. Ça va être la catastrophe. T'as pas une idée? Je sais pas. Il y a le rabou en face de l'école. Il a parfois de bons plans. Peut-être peut-il faire un miracle. Ouais, faire tomber le prof malade, par exemple. Je vais aller le voir après les cours. Jackie m'a proposé d'aller voir le marabout. Il peut-être faire quelque chose pour demain. Quoi? T'as encore rien foutu pour tes examens? Quand maman va apprendre ça, ça va être ta fête. Ouais, je sais, là. J'ai pas assuré. Mais bon, faut une solution. Tu voudrais bien venir avec moi chez le marabout? Son magasin, c'est quand même noir et lugubre. Bon, d'accord. Mais faudra que tu bosses. C'est la dernière fois. Je vais pas faire ta nounou tout le temps. Super! Demain, après les cours, on y va. Bon, voilà, t'es prête, on y va? Ouais, on y va. Bon, ben, j'y vais. Allez, dépêche-toi, on n'a pas toute la nuit. Entrez. Bonjour Alyosha. Vous connaissez mon nom? Je connais aussi tes résultats. Mes résultats? Je savais que tu viendrais. Mais... Tu as quelque chose à me dire? J'ai d'autres chats à fouetter. Bien, j'aimerais une solution. Enfin, est-ce que vous pourriez... Est-ce que le prof de maths pourrait pas être un tout petit peu malade demain? Juste assez pour pas venir à l'école? Ça, je ne le fais pas. Bon, bah, désolée de vous avoir dérangé. Attends! J'ai quelque chose de beaucoup mieux. Ceci conviendra. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion qui permet de traverser les murs. Si tu as le courage ou l'habileté d'entrer dans le bureau du directeur, tu pourrais récupérer les questions de ton fameux examen. Mais attention, ni plus ni moins que la dose prescrite sur le flacon. Tu t'exposerais à de fâcheuses conséquences. La durée de la potion est d'une heure. Je te conseille de te dépêcher. D'accord, mais qu'est-ce que je vous dois? Rien. Je n'ai jamais pu sentir une note. Alors, j'ai une solution. Ce soir, lorsqu'il n'y aura plus personne dans l'école, on va récupérer les solutions d'examen. Comment? Elles sont enfermées chez le développeur? Tu vas voir, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Tu verras. Alors, je t'accompagne. On y va. Comment on va faire? La porte est fermée. Grâce à ça, c'est une potion spéciale qui permet de traverser les murs. Non. Si. Waouh, c'est trop fort! Bon, attends-moi là, ce sera pas long. J'ai des questions. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Et où est-elle passée? Comment elle a fait? Je sais pas, monsieur le directeur. Alyosha, aide-moi! Berchka, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire comme toi, j'ai bu le reste de la potion pour passer à travers le mur et je suis restée coincée. Aide-moi! Le marabout. Il faut que j'aille chez le marabout. Ne me laisse pas! Monsieur le marabout! Aidez-moi, ma soeur est coincée dans le mur! Mais je vous avais dit de prendre la dose prescrite! Rien que la dose!
Oui, moi oui, mais ma sœur a vidé le flacon. Tais-toi, tais-toi. Vous êtes vraiment toutes des idiotes. Oui, mais on ne peut pas la laisser comme ça. Je vous en supplie. Tiens, prends ça et disparaissez avant de vous faire attraper. Je sais pas, monsieur le directeur. Alors, Alyosha, ça s'est bien passé ton examen de maths? Bof. Finalement, tout ça n'a servi à rien. J'ai perdu les questions et j'ai quand même raté mon examen de maths.